Déclaration citoyenne. Après une longue lutte politico-citoyenne de résumé, place au chevalier de la plume pour examiner les événements et comportements des personnages politiques qui se sont succédés, l'opposition congolaise, que celle du pouvoir nous enseigne suffisamment en République démocratique du Congo depuis les années de notre berceau d'enfance 1960. À ce jour où les yeux piquent en face des échéances électorales, soit est à nous, à ce gouvernement qui affiche la nulle de l'expression populaire, malgré les chantages de ceux qui ont démontré la déchéance morale et éthique de Tshisekedi à des insuffisances. Mais le moindre mal au vu de ces fermes engagements pour la dignité et la volonté de bien faire. Après la lecture objective de ces faits, nous, des effets sur les régimes Tshisekedi, nous nous engageons à la mobilisation électorale pour son compte et appelons par la même occasion au peuple d'y adhérer et nous aligner à combattre toute vision contraire à la reconquête de la dignité des Congolais. Aux jeunes, de faire attention aux leaders ayant des ambitions occultes qui ne se fatiguent pas, les prenant comme marche-pied. Au nom de la démocratie, des avancées et le pouvoir bien faire observer, nous déclenchons cette brigade qui sera répandue dans toutes les villes, territoires et le centre des grandes agglomérations afin de poser notre rapport à la bataille électorale. Chers compatriotes jeunes, nous devons influencer et comporter positivement notre société dans tous les sens, singulièrement place à la lutte électoraliste pour les biens de notre Congo. Pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo, évitons la moindre distraction provenant de qui que ce soit. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la démocratie. Je vous remercie. Bonjour, messieurs. Bonjour. Parlez-nous, qu'est-ce que nous retenons aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis très heureux de voir les jeunes, donc les anciens étudiants, les anciens militants, les hommes qui viennent de partout dans le mouvement citoyen. Ils se réunissent aujourd'hui afin de créer une brigade pour Félix Tshisekedi. Tu sais, aujourd'hui, nous subissons des moments très durs dans cette république et surtout chez nous ici à l'Est, là où la guerre c'est partout. Quand vous voyez la ville de Goma, vous montez un pays à la guerre, vous descendez un pays à la guerre. Mais lui, il a su comment traiter cette question de la guerre. Aujourd'hui, il est en train de résister contre tout le monde, tous nos voisins qui veulent bien détruire notre Congo, parce qu'ils disent qu'au Congo, il y a tout. Ils doivent tous fouler le pied ici chez nous, en fond de vendre tout ce qu'ils veulent. Merci beaucoup pour M. Félix Tshisekedi Antoine, pour ce grand moment qu'il est en train de combattre jour et nuit. Et nous engageons, nous qui sommes jeunes, élites, nous de la brigade des élites de Tshisekedi,
de le soutenir jusqu'à la fin, parce qu'il a reçu le premier mandat. C'est un moment dur pour lui, le venir, quand il ne comprenait pas les Congos. Mais aujourd'hui, il est là, il a compris maintenant qu'est-ce que les Congos. Ça veut dire, le deuxième mandat, il peut faire mieux que ce mandat. Le deuxième mandat, il peut faire mieux, quelle garantie? Vous savez, il est venu à un moment où le Congo est presque vendu. Au moment où la guerre, l'armée est infiltrée de partout. Mais il est en train de réinitialiser, de revoir de nouveau qu'est-ce qu'il peut faire pour les Congos. C'est vrai que quand il a beaucoup voyagé, les gens ont pensé que c'était pour le loisir. Mais actuellement, nous comprenons pourquoi il voyageait. Pourquoi le choix du président Tshisekedi? Merci beaucoup pour cette question. Il est venu, on ne le comprenait pas. Il a fait les 4 ans, on cherchait toujours à le comprendre. Mais aujourd'hui, on nous a compris qu'il est le meilleur pour le Congo. Il est le meilleur pour l'avenir de notre nation. Et si une fois nous le soutenons, si une fois nous l'amenons de l'avant, cette question qui persiste à l'Est liée à la guerre, cette question qui persiste à l'Est liée aux envahisseurs peut finir. Et aujourd'hui, les jeunes se disent, nous devons toujours accompagner notre président, afin de voir le meilleur. Cette brigade-là que vous lancez, ça consiste à quoi concrètement? En réalité, nous sommes des accompagnateurs du président Félix Tshisekedi. Des suiveurs, en d'autres termes? Nous ne sommes pas là comme un parti politique, non. Non, mais nous sommes là pour accompagner M. Félix Tshisekedi. La brigade des élus, si vous voyez avec les mots, ce sont des mots qui sont un peu compréhensibles. Le président Tshisekedi a appelé aux jeunes de s'enrôler dans l'armée et d'autres de créer des groupes de vigilance. Du coup, vous décidez de faire la politique en quelque sorte pendant que le pays fait face à une agression. Comment comprendre cela? Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes dans une grande politique, non. Nous sommes là pour l'accompagner. Si une fois, vous voyez parmi nous, il y a quelques militaires. Parmi nous, il y a des gens qui veulent bien les soutenir dans tous les niveaux. Si une fois, il a appelé les gens dans l'armée, oui, nous avons nos petits frères qui sont partis. Nous avons nos amis qui sont partis. Et si à nécessité, nous partirons aussi. Mais uniquement pour le bien-être du Congo. Vous soutenez Tshisekedi, vous soutenez le Congo? Nous soutenons la vision qu'il a pour le Congo. C'est tout ce que je peux dire, afin de faire comprendre tout ce que la brigade consiste, la brigade des élites. Peut-on parler à une politique ou à un groupe de vigilance lié à la sécurité? Voilà, là, c'est une question qui est un peu bien posée, parce que nous sommes un groupe des jeunes, un mouvement des jeunes liés. Donc, nous allons plus loger dans la sécurité et soutenir la vision de M. Félix Tshisekedi Antoine. Et c'est pour ça que nous sommes réunis. Pourquoi cette motivation pendant que plusieurs analystes semblait qualifier les bilans du président Tshisekedi d'un bilan noir, sombre, mitigé? D'où vient cette motivation? Normal que tout le monde dise ainsi. Vous savez, la plupart des gens qui qualifient Tshisekedi ainsi sont les gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila, sont les gens qui ont travaillé avec tous les autres. Et quand vous le voyez, il est venu revoir en fond le Congo, donc ramener le Congo à sa ténacité. Vous savez que, permettez que je le dise, et je m'excuse si ça peut offenser quelqu'un. Quand nous demandons aux jeunes d'aller dans l'armée, et que la plupart de nos généraux
sont ici de quelque part. Ici de quelque part, vous voulez dire? Je veux dire, nous avons, la plupart des généraux sont ici de nos pays voisins. Quand vous voyez quelques généraux sans protacité, ils sont ici de quelque part. Mais nos jeunes vont aller dans l'armée. Ils seront dirigés par qui? Par ces mêmes gens qui nous agressent. Quand vous faites le mixage, permettez que je le dise à l'époque de Joseph Kabila avec la CNDP, ce sont ces gens, ces mêmes gens qui sont venus de l'armée, avec leurs grades. Ils n'ont pas étudié pour ces grades. Permettez que je demande pardon à tous celui que j'avais offensé. Ils sont venus avec les grades et ils accèdent à l'armée. Nos jeunes étudiants de l'info, ils viennent de cette armée, ils vont devenir les escortes. Ils vont devenir, c'est eux qui vont les commander. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'aller briller chez lui? C'est impossible. Et puisque c'est impossible, c'est que tu peux venir, il a commencé maintenant à réinitialiser. À réinitialiser un peu partout, même si ça lui semble difficile, mais cherche à faire le mieux. 2023, année électorale, Fati, Madidi, Veka, Macron, Moïse Katumbi, vous votez pour qui? Personnellement et avec tous les gens que j'étais avec, si une fois nous avons compris qu'il faut soutenir Titi, ça veut dire qu'il faut voter pour lui. Nous qui sommes la jeunesse des Gomons. Vous allez battre pour lui, campagne? Oui, nous le ferons, quel que soit le prix. Qu'il soit la sueur, mais nous allons le faire. Qui est derrière vous? Jusque-là, quand vous voyez tous ces jeunes, ce sont des jeunes militants. Ça veut dire, ils ont compris qu'il faut mettre les idées ensemble en fond de comprendre que les Congos, où va les Congos au juste? Nous essayons aujourd'hui de nous mettre ensemble en fond de voir si nous pouvons donner le meilleur à notre nation et surtout dans la ville de Goma. Je repose ma question, qui est derrière vous? Cette question, je crois que je lui ai répondu. J'ai dit que nous nous sommes mis ensemble en forme de réaliser cette activité. Si j'ai bien compris, vous êtes ici de notre parti politique. Vous aviez été derrière un autre homme politique, je cite Moïse Katumbi, aujourd'hui derrière Tshisekedi. Demain, ça sera pour qui? Vous savez, dans la vie, nous voyons toujours le meilleur. Et quand nous comprenons qu'ici, ça ne marche pas, il faut toujours aller ailleurs. Donc demain, si jamais ça ne marche pas, ça va tourner mal, non? Mais nous voulons porter notre soutien, voir si demain ou après-demain, nous pouvons voir les fruits de nos idées dans ce cadre. Donc, si je comprends bien, vous êtes là où ça marche bien, c'est ça? Ce n'est pas dans ce cadre. Nous sommes des militants. Nous sommes là, nous ne sommes pas un parti politique. Non. Nous sommes des militants. Des jeunes qui se... Les jeunes qui se réunissent en fond de voir s'ils peuvent trouver une solution à un problème. Et c'est pour ça que nous sommes là. Si une fois, Félix Tshisekedi a fait tous ces tournois, il résiste contre cette guerre liée à nos pays voisins. Ça veut dire, demain ou après-demain, il peut réussir cette guerre et il peut lancer de nouveau les idées qui peuvent amener le Congo de l'avant. Et c'est pourquoi je demande à tout le monde de le soutenir. Merci, messieurs, pour cet entretien exclusif. Vous appelez les noms? Je suis Mwamba Mulenda Riki. Vous êtes? Je suis le coordonnateur de cette brigade. Ancien Katumbiste, c'est ça? Oui, ancien Katumbiste. Et demain, ça sera? Non, il n'y a pas de demain. Ça veut dire, actuellement, j'ai pris ma position et je m'engage à soutenir ma position. Merci pour cet entretien exclusif. Je vous en prie. Merci qu'il a voulu faire. Alors, il est vu, il est à nous gêne de la ville de Goma. Il est à nous gêne, comme je sais que c'est la République qui va nous écouter aujourd'hui, de dire non aux gens qui vont nuire à la campagne de notre président. Il est temps de dire oui au deuxième mandat de l'État.
Parce que nous savons tous que si Tshisekedi obtient le deuxième mandat, dans ce qu'il a fait, dans 4 ans seulement, les autres ont fait 32 ans, les autres ont fait, je ne sais pas, 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait aujourd'hui? Bien que nous sommes imposés par la guerre, mais je vous assure que le président de travail, la preuve, il a cité Michel, la mafia qui était dans l'armée congolaise. Il est en train de nettoyer les gens qui trahissaient le pays. Ça c'est quelque chose de bien. Et en tant que jeune conscient de Goma, nous ne pouvons pas rester distraits et soutenir les gens qui viendront nous donner 5 dollars pour les soutenir, je ne sais pas, 10 dollars pour les soutenir, sans penser vraiment à ce qui est l'avenir du pays. Nous sommes censés être des patriotes parce que l'avenir de la République n'est pas de nous. Si toujours tu as maquillé dans les distractions, je vous assure que le pays continuera à souffrir. Mais si nous le faisons aujourd'hui comme nous voulons maintenant le faire, lèvons-nous aujourd'hui ensemble avec cette initiative, cette brigade qui va faire taire les actions négatives de certains candidats, parce que je suis sûr que Zitapou Assam, parce que vous-même vous êtes témoins, peut-être que parmi nous, pour venir à l'école, il n'y a juste pour de l'argent. Certains entre nous voulaient même se faire la vidéo, je suis témoin. À la campagne du président de la République, c'est que lorsqu'il était dans le stade Afrique, moi, je vous assure que je l'ai. Pourquoi? Parce qu'on m'avait donné une mission d'aller dans la foule des vagues stades comme ça. Alors qui c'est que les caméras parlaient, moi j'avais une photo de Fayoum et j'avais crié Fayoum. Je vous assure que l'esprit militaire fou. On m'avait tabassé sévèrement. Imaginez la foule, imaginez les membres des livres de presse. Mais après ça, c'était seulement pour 2000 francs. Mais aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit non. Quand est-ce que je vais continuer à souffrir comme ça dans la vie? Il est temps pour moi aussi de voir clair, de voir ce qu'il y a face de moi, de voir la réalité en face. Aujourd'hui, je me dis non. Je dois quand même accompagner quelqu'un qui a au moins la volonté, un vrai patriote, un vrai fils du pays. Quelqu'un qui mérite d'être appelé président de la République. Et c'est lui ce qui s'est fait. Et je me suis engagé à dire non. Aujourd'hui, les gens, parce que je les connais, les gens qui vont chaque fois faire des anti-campagnes, les gens qui vont chaque fois faire des actions, pour nous avons mis un jour président civil. Moi, je me dis que Léo, je m'engage. Je ne sais pas si vous serez avec moi. Je m'engage, je dis non, non, non. Le président doit faire sa campagne à peine. Le président doit être réuni et non aux actions négatives des politiciens pour contrecarrer le président de la République. Il a quand même toutes les chances et toutes les raisons d'être réuni, chers amis. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais si vous êtes vraiment avec moi, vous allez répéter les slogans avec moi, brigade, force, brigade, intervention, brigade, c'est Félix qui nous sauvera. Brigade, 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 brigade. Merci beaucoup. Je suis sûr que dans la Tokaba, c'est la première fois. Voilà que nous sommes en train de vous présenter l'idéologie. Je suis sûr que ça vous attend pas pour vous aussi. Allez faire l'introspection, tout ce qu'on a distraction.
donnons la chance à Tshisekedi. Et je vous assure que ce pays, comme il avait prédit, on peut devenir même l'Allemagne de la crise. Si nous tous nous sommes possibles. Merci, c'est ce que j'avais à dire.